Hey! Oh. Ça va? Ça va et toi? Bah ouais, super! Parfait! Alors? Oui! Quels sont les plans? Donc, ouais, le plan, ce serait de rentrer dans ce haut lieu. Ce haut lieu? Voilà! C'est-à-dire? Écoute, je te propose de. Tu me fais peur! De pénétrer les lieux. Ok! Il y a une surprise ou quoi? Ah, peut-être. Ok. Bonjour. Bonjour. Et explique-moi un petit peu. On est sur. Il y a des livres pour enfants. Ok. Ça, c'est la première chose. Ouais. Petit Rennes a peur de tout. Entre autres, tu le conseilles? Il est mignon, il attire l'œil. J'ai un peu envie de l'acheter. À ce point-là? Ouais. Et donc, explique-moi un petit peu. Il y a des peintures et tout. C'est toi qui les peins? C'est pour ça que tu m'amènes ici. T'as des actions? Non. Tu veux que j'en achète un? Moi, je. Non, je dessine très mal. C'est vrai? Ouais. Et. Donc, non, j'en suis incapable. D'accord. C'est mais très je mieux, sais analyser les tableaux. C'est vrai? Ouais. C'est-à-dire? On peut clairement voir que l'artiste a voulu exprimer certaines choses de sa psychologie. Voilà. C'est-à-dire? Je parle de Coccinelle. Il me déconcentre le bruit, donc je peux pas. Tu peux pas analyser. Bref. Évidemment. Ok. Ça te plaît? Ah oui, oui. De l'endroit? Oui, oui. Ah, c'est joli, ça, j'aime bien. Et sinon, les vacances? C'était sympa. Noël, toujours chouette. Vas-y. Non, je sais pas. Non, j'allais dire la même chose que toi. Ok. Mais c'est. Tu viens souvent? C'est... En fait, ici, je venais quand j'étais petit. Mm-hmm. Et. Donc, c'est un peu là où j'ai découvert les premiers livres comme ça pour enfants. Et j'y viens de temps en temps, alors. Parce que voilà, ça me rappelle un peu le. Mon enfance. C'est mignon. Voilà. Et puis, généralement, il y a des travaux ici, donc j'aime bien l'ouvrir. Ok. Je vais quand même acheter ça dans le doute. Hein. Ah ouais? Ouais. Petit Rennes a peur de tout? On ne sait jamais. Et je trouve qu'il te ressemble un petit peu. T'as vu, c'est la même couleur. Je sais pas comment le prendre, mais... mais c'est vrai, on est sur la... T'as l'air quand même un peu plus jovial. Ouais. Il est bien, Petit Rennes a peur de tout? Excusez-moi. Oui, Petit Rennes a peur de tout, ouais. C'est le premier de la série. Ah. Et c'est un livre qui plaît bien. Alors, on peut les lire dans le désordre. Hein. Et puis, pour les enfants de 3-4 ans, c'est vraiment bien. Ok. Et là, c'est un petit Rennes qui a peur de tout, mais qui va réussir à aller au-delà de ses peurs. Ok. Tu te laisses tenter ? Je vais me laisser tenter. C'est pas vrai. Tu l'as un peu choisi d'entrée de jeu. C'est vrai. Mais tu l'achètes pour toi. Hein. Oui, bien sûr, bien sûr. Donc, le petit Rennes a peur de tout. Oui. Pour vous. Pas de paquet cadeau. Pour moi ou pour un enfant, enfin... Ou pour un enfant, on d'accord. Verra. Merci. Merci à vous. Bon, ça c'est fait. Bon, bah c'est bien. Investissement. Et Est-ce que... Tu veux que j'achète le tome 2? J'aimerais que... qu'on dîne un de ces... Un ensemble, bientôt. Ah oui. Oui. Quand? Je sais pas. Je sais pas. Tu fais quoi ce soir? Ce soir? Ouais. Je comptais dire ça, mais du coup, je peux reporter. Si tu veux. Je peux te cuisiner quelque chose. J'aime bien cuisiner. Ok. Si ça te tente. Ok, très bien.
Et tu peux amener le livre si tu veux. Oui, carrément. Enfin, c'est comme tu veux. Je sais pas. Eh bien, très bien. Et du coup? On peut se balader dans les parages. Ok. Mais du coup, oui, c'est ça? Oui. Ok, cool. D'accord. Ok. Oui. Ok. Eh bien, merci beaucoup, madame. Bonne journée à vous. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Merci. Thank you. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, nous pouvons... tu me fais rire avec ton bouquin. Ce n'est pas pour moi. Tu voulais qu'on se balade? Oui, voilà, c'est ça. Bon, peut-être... On le laisse comme ça, en fait. Partir, je sais pas où. Ouais. Où ça? Est-ce que t'as un feeling, une sensation gauche-droite? Toujours du côté du cœur. Ok, gauche. Donc a priori, c'est gauche. Ok. Sauf pour ceux qui ont des malformations. Donc allons ici. Tu veux me lire le bouquin maintenant? Est-ce que je peux te faire une petite... Ouais. Vas-y. Alors... Dans le froid polaire, un grand troupeau de rennes marche à la recherche de nourriture. Mm-hmm. Les rennes sont courageux. Ils n'ont ni peur ni du froid glacial de l'hiver, ni du glouton qui rôde. Je n'en dirai pas plus. Oh, non, c'est le premier épisode. Tu me gardes la suite pour ce soir? Oui. Excellent. Hello. Ça va? T'es belle. Ça va? Ça va? Oui, et toi? Je t'entends pas. Allô? Allô? Oui, tu m'entends? Oui. On dirait une indienne. Oui, bah si ça continue comme ça, ça va l'être encore plus. Non, mais c'est quoi cette histoire? Le deuxième bol. Et ils t'ont dit quoi? Je sais pas comment rentrer à Paris. Ils m'ont annulé deux vols. Peut-être qu'ils nous... Ils m'envoient un mail bientôt pour savoir si... sur un autre vol à 4h30 du matin, un autre jour ou le jour même, j'en sais rien. Je pense que je vais rester à Nantes toute ma vie. Non. J'en peux plus. Mais ça te va tellement bien. Je veux rentrer. Et t'as grave maigri. C'est ouf. Bonjour. Oui. C'est les amis. Voilà. Ah, ok, bébé. Moi, t'es capable. Il y a le coronavirus en Inde ou pas? Tu vois? Le coronavirus, il est en Inde ou pas? Bah non, en fait, il y a... Et c'est pour ça, parce qu'ils m'ont annulé l'avion, parce qu'en Italie, c'est la tragédie totale. Bah ouais, je sais. Donc voilà, mais si, sinon... J'ai quelqu'un qui vient manger chez moi ce soir. C'est qui? Tu connais pas. Tu connais pas un garçon? Mais c'est qui? J'ai rencontré, il n'y a pas longtemps. Dis-moi les prénoms. Mais tu connais pas. Dis-moi les prénoms. Ah, il s'appelle Marc. Ah bon? Je pars quelques semaines et... Il n'y a rien du tout. Mais c'est drôle. Je vais revenir, tu seras mariée. Mais pas du tout. Loin de là. Toi aussi, tu seras mariée. Toi aussi, tu seras mariée à un Indien. Je t'entends. Tiens-moi au courant pour l'avion. Ouais. Ouais, ok, ouais, ouais. Ça marche. Sinon, à bientôt. Je laisse vivre en Inde. C'est pas grave. Mm-hmm. Love you, love you, love you, love you. Namasté. 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 Allez, ciao. Wow. Mmh. Ok, bye. Ciao. Ciao. Bonsoir. On se refait un bisou. Yes. Ah. Ça va? Oui. T'as trouvé facilement? Oui. Oui, oui, oui. Alors, je t'annonce ici, on ne met pas de chaussures. Il n'y a pas de chaussures. Oh, ok, ok. Très bien. Voilà. T'as les chaussures. J'espère que tu ne m'en voudras pas. Ça va? Oui, tout à fait. Tu veux un petit... Enfin, il me reste un fond de bière.
J'adore ça. Bah super. J'aime bien les restes. Ok. Tant mieux. J'ai un petit cadeau. Un cadeau ? Je dirais même un présent. Mais non. Mais c'est trop chou. Ouais, c'est quoi ? Tu veux que je te dise à l'avance ? Non. Excusez-moi. Non, j'aime bien les surprises. Qu'est-ce que c'est que ça ? Mais non. Mais non. Mais c'est à toi. C'est celui que tu voulais ? Mais c'est Petit Reine, a peur de tout. Mais tu l'as lu au moins ? Je ne l'ai même pas lu. Non. Non, j'ai... Non, rien mais du tout. Mais t'es sûr ? Ouais. T'avais l'air si heureux de l'acheter. Ouais, non, mais bah, je te le redemanderai peut-être plus tard. Mais... Attends, je te fais un bisou. Ouais, merci. Merci. T'es trop chaud. Je fais beaucoup de bisous. Bah ouais, c'est gratuit. Hein. Tu veux une guitare. Une petite guitare. Tu joues de la guitare ? Non. Non, non, j'aimerais bien, mais... Ah bah, je vais prendre un petit morceau, si tu veux. Toi, tu joues bien ou... Je joue... Je sais jouer, mais pas des trucs de fou non plus, quoi. Qu'est-ce qu'on a au menu si c'est pas indiscret ? Tu veux savoir ? Oui. Enfin non, enfin je sais pas, comme tu veux. Attends, est-ce qu'il manque des trucs ? Ou alors c'est soirée ou mousse ? Non. C'est des burgers. Ah. T'aimes bien ? Ah bah, surtout je pense que tout le monde, toute la terre entière est passionnée de burgers. Mais ils sont particuliers, il y a un ingrédient spécial dedans. Je t'en parlerai en temps voulu. Une sauce spéciale. Il y a une sauce spéciale, mais c'est pas ça dont je parle. Mais il y a une sauce spéciale. Je fais une sauce, parce que je t'ai fait des patates douces avec. Oh là. Des frites de patates douces. Et je fais une petite sauce avec qui est... Oula, qu'est-ce qui se passe ? Attends. J'enlève les patates douces avant qu'elles crament. Regarde comme elles sont belles. C'est très très beau, tu veux un coup de main ? Non, t'inquiète. Non, c'est bon. Waouh. Hop là. Ok, j'ai mis ça, j'ai mis ça. Ok, c'est dans l'autre sens, c'est pas grave. Je te mets tes petites patatounes. Dépêche-toi, j'ai mangé tout le houmous sinon. Mais c'est bien, moi j'en veux plus, j'ai plus faim déjà. Bon, bah je vais prendre un doggy bag. Parfait. Tu fermes les yeux, tu vas me dire gauche ou droite ? Je t'ai déjà dit que je choisissais toujours la gauche. C'est le moment de changer ses habitudes. Ok, droite. Aïe. Arrête. Tu peux ouvrir les yeux ou pas ? Droite du coup. Hein. Oui. Yes. J'ai déambulé. Est-ce que je peux savoir ce que c'est ? J'avais bu avec mon pote. Et il y avait un très beau magasin. Mais c'est excellent, c'est un truc anti-stress. Et du coup, ce que t'as loupé, c'est ça. Ouais. Un très beau petit chien. Je suis plutôt team chat. Team chat, ouais. Ah, j'adore. On m'a jamais offert ça. Je peux l'ouvrir, du coup ? Oui. Excellent. Oui. Mais j'ai une autre question. Quand est-ce que tu vas manger, en fait ? Ouais. Du coup, l'éternel débat. Avec les mains. Ouais. Direct. Ok. 3, 2, 1. Vas-y, je croque en même temps. Alors, tu voles, tu prends ton envol. Attends, je prends ça. Vas-y. C'est une symphonie. C'est vrai ? Tout à fait. Ok. Tu es donc la Mozart que tout le monde attend. Peut-être pas en musique, mais en tout cas en cuisine. Tu prends encore une bouchée ouais. ou deux. Tout à fait. Et tu es obligé ? Ouais. Allez. Et tu devines l'ingrédient secret, les deux ingrédients secrets. Je mange. Vas-y. Je m'essuie les mains avec ta serviette parce que j'ai perdu la mienne. Non, mais c'est ça en fait. Tu m'as dit steak, mais c'est pas. Ou alors, enfin, non, attends. On n'est pas sur de la viande là. Tu reconnais que c'est pas du steak. C'est pas ça ? Si, c'est ça. Je trouve que ça a vraiment le goût du steak par contre. Donc c'est quoi du coup ? Bah, c'est un faux steak. C'est un steak quand même. Vegan. Un faux steak. Et un deuxième ingrédient secret. Du coup, c'est beaucoup plus simple maintenant que t'as trouvé le premier. Bah, le fromage. Ouais. Fromage aussi, c'est... Le faux fromage. Ok. Et du coup, ils mettent quoi dedans alors ? L'huile de coco, des épices, des trucs. Tout sauf du fromage et ça fait du... Du faux fromage. Oh, c'est beau. Yes. Attends. T'inquiète, on va juste. Je peux... Vas-y. Tu en veux des patates douces ? Non, c'est pas parfait. Impeccable. Impeccable. J'ai l'impression que t'aimes pas, tu manges pas. Si, non, j'aime bien. Mais en fait, je crois que j'ai trop mangé de.
mousse. Mais ça se trouve, je reprendrai tout à l'heure des patates douces. Non, vraiment, c'est... Ça va? Bon, oh, oui. Quoi? Je sais pas, t'es bizarre. Oh, non, non, non. Ah, t'as tout mangé. Bah ouais. Mais j'en avais moins que toi, pour ma défense. Ouais. Ah ouais, non, je me sens nul, là. De quoi? J'ai pas encore fini de... Qu'est-ce qui se passe? Vas-y, dis-moi la vérité, s'il te plaît, parce que t'as complètement changé depuis que t'as reçu ton SMS, donc... Ah oui, genre, ok. À ce point. Ah ouais. Yes. Mon ex vient de m'envoyer un message... Ça faisait genre un mois et demi, deux mois, je me disais qu'il y avait zéro news et... Ok. Et là, genre, bonsoir, j'existe. Ok. Donc ça m'a... Ça fait bizarre. Ouais. Mon cerveau, ouais. Je comprends. Et... J'ai mangé mon petit truc et tout d'un coup, genre, ah, que se passe-t-il? D'où ça sort? Pourquoi? Et... Donc, ouais. Mais elle te dit quoi? Je sais plus ce qu'il m'a dit exactement. Comment ça va? J'ai pensé à toi aujourd'hui. Est-ce que ça te dirait qu'on boive un café ou un verre dans les prochains jours? Ah ouais. Je sais pas d'où ça se... Enfin, bref, ça m'énerve. Peut-être qu'elle veut que ça se passe bien ou... Non mais parlons pas de... Ok. Pardon, excuse-moi. Ok. Ah, voilà, ça me... T'as plus faim du coup? C'est pas grave. C'est pas grave du tout. Mais en vrai, je pense que j'en mangerai encore tout à l'heure. Enfin, je... Bah, tu sais quoi ? C'était délicieux. Tranquille. Et... Exact. Tu manges quand t'as faim. Et tu sais quoi ? Tu vas me jouer un petit morceau de guitare. Comme ça va te détendre. Non, tu vas finir ton vin. Ton vin cul sec. Je bois et guitare. Moi, ça me va parfaitement. Le programme est limpide. Comme ça, on pense à autre chose. Et puis, faut pas se prendre la tête. Et voilà. Je ne sais pas jouer de guitare, on est d'accord. C'est pas grave. Enfin, c'est pas grave. Au pire, je prendrai la guitare si jamais. Très bien. On jouera ce que tu veux, ce qui te fait plaisir. Très bien. Quelque chose qui te met du baume au cœur. Eh ben, c'est. Désolé, putain. Ah, mais c'est pas grave. Ça arrive à tout le monde. Enfin, pas à moi, mais, ouais. Mais à tout le monde. Des. Pardon. Des commodités, c'est tout. Pardon, j'enchaîne. Tous les trucs nuls. Ok, les commodités sont à droite, juste là. Ok. Voilà. Ouais. Je vais rien faire, hein, c'est juste je me... Oh, bah, si tu veux, boire un peu d'eau. Tu mets la musique. Hein. Voilà, je veux bien que tu... T'as pas une chanson... Radio, tu disais... Après, moi, je connais pas du tout les... De quoi? Les paroles. Non, je disais Radiohead, on avait un groupe commun. Donc... Ok, tu veux Radiohead? Si tu as, ou je sais ce que tu veux. Et à un moment, tu m'as pas dit aussi, j'avais l'impression que t'étais fan de rock voisine. Ah non, je l'ai nommé. Tu l'as nommé. Mais tu l'as nommé et je l'ai un peu squeezé et j'ai vu ta déception, genre... Ok. Ah... Non? Non, mais c'est comme tu veux, hein. C'est ce que tu veux. C'est toi qui choisis, en vrai. Alors, je... Si tu veux, on fait Radiohead. Rock voisine. C'est quoi, Rock voisine, déjà? Son titre. Ça, c'est genre Seul sur le sable. Ah oui. Tu vois? Ça s'appelle comment, cette chanson? Je sais juste que c'est Seul sur le... Enfin... C'est... Attends, c'est quoi, déjà? Seul sur le sable. Attends, je vais taper. Seul sur le sable. Seul sur le sable, les yeux dans l'eau. C'est ça la chanson? Exactement. Ah, c'est Hélène. Hélène. Hélène, ok. Vas-y, je t'écoute. Je sais pas ce qu'on fait là, c'est. Ok, attends, je vais essayer. Attends, seul ça n'a aucun sens. Seul sur le sable. Seul sur le sable, les yeux dans l'eau. Ah ouais, attends. Oh, les yeux tout à l'oreille. Ouais, attends. Quelle se prend celle-là? Ah, vas-y.
Non. Non, non, je regardais tes lèvres qui chantaient la chanson. Oui, c'est ça. Okay. Parfait. Ok, je l'ai. Je suis pas sûre d'avoir le refrain, mais attends. Non. Ok. Ok. Je t'écoute. Vas-y. Comment ça, tu m'écoutes? Chanter. Donc là, je dois chanter. Ouais. Pas chanter, chante toi. Seul sur le sable, les yeux dans mon loup. Mon rêve était trop beau. Dès qu'il s'achève, tu partiras. À 100 000 lieues de moi. Comment oublier ton sourire? Tellement de souvenirs. Ah, il avait une plume, hein. Je n'ai vu le temps passer. L'amour sur la plage désertée. Le corps brûlé enracé. Comment t'aimer si tu t'en vas dans ton pays loin là-bas. Oui. Tu as. You got the voice. Attention. Everything you do. Merde, non, c'est raté. Alors, the things you do make me crazy about you. Pourquoi tu pars, reste ici. J'ai tant besoin, j'ai tant... Oui, l'accord est bon. J'ai tant besoin d'une amie. Je reconnais cet accord. Attends. C'est parfait. Je préfère ta version. Notre version. Tu pars si loin de moi, là où le vent te porte, loin de mon cœur qui bat, 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 bat. Magnifique. C'était beau, hein. Magnifique. Ton cœur qui palpite. Oui, j'ai eu cœur qui palpite. Je n'arrive plus à parler. J'ai quelques frissons. Ouais, c'était magnifique. C'est, on peut dire qu'on est sur une jolie voix. Mais tu vas me boire tout mon vin, en fait. Non, non, bois. Non, faudra juste remplir le verre après, mais c'est bon. Enfin, bref. Bon, ben, c'est bien, on a tout fait ce soir. On a cuisiné, on a fait de la musique, on a mangé, on a papoté, on s'est offert des cadeaux. Enfin, tu m'as offert des cadeaux, moi, perso, je t'ai pas offert des cadeaux. C'est pas grave, chaque chose en son temps. Il y a ton ami qui est juste là. Enfin, c'est mon ami, pour être précis, mais... Il est hyper concentré, il est hyper focus sur ce qui se passe. Comme s'il allait avoir un drame. Faut que je lui donne un nom, d'ailleurs. Je vais l'appeler... Marcella. Marc, en femme. Marcella. Voilà. Tu veux... faire quoi? J'ai du chocolat. J'ai pas de dessert. Je te dis. Chocolat. Tu as une belle chemise. Ah, merci. C'est à ma grand-mère. J'aime beaucoup mettre des vêtements de ma grand-mère. C'est mon truc. Voilà. Ok. Moi, j'ai un slip de mon grand-père. Sur... Rigole, j'avais un slip de mon grand-père aussi. J'aimais bien le mettre. Enfin, un caleçon, quoi. Ok. Pour dormir. Voilà. Très bien. Je suis hypnotisée par tes mouvements de bouche. C'est vrai? Oui. Ah, c'est marrant. J'ai l'impression que tu essaies de me dire quelque chose. Tu veux que je t'aide à le comprendre? Bon, tu vas m'embrasser ou tu vas pas m'embrasser, en fait? Parce qu'on dirait que t'essayes, mais que tu arrives pas, donc faut savoir. Je sais pas. Non? Jean-Michel Grillet. Je sais pas, je dis ça comme ça. Après, les signes sont peut-être trompeurs parfois, mais... J'ai l'impression que tu arrives pas.
Je sais pas pourquoi, mais c'est compliqué. Me trompe, je... J'arrive pas. C'est pas grave. Je suis dans un brouillard total. C'est à cause de Marcella. Yes. Si c'est compliqué, c'est compliqué, c'est pas grave. Je sens que c'est très compliqué. On peut... ouais. Donc... c'est pas grave. Je vais y retourner aux toilettes et puis je vais y aller. D'accord. Quelle soirée bizarre. Non, pourquoi tu dis ça? Oh, je sais pas. Une intuition. Tout était normal. Ok. Bon. Je repars dans mon pays loin là-bas. Ok. Eh ben... à bientôt. Peut-être. On se la bise quand même. Ou pas. Allez. C'est très bizarre jusqu'au bout. Eh ben, rentre bien. On se rejoue. Yes. Ok. Attends, je t'allume la lumière. Bon. Rentre bien. Oui, oui, oui. Très beau chausson. Merci. Bon, allez. Ciao.